bientôt. J'ai pas envie de tout rater. Avant toute chose, écoute la nature. Qu'est-ce que je dois écouter? Qu'est-ce que tu entends? Rien du tout. Eh non, rien du tout. Oui, c'est étrange. Tout est silencieux. On n'entend plus les grenouilles. Où est-ce qu'elles sont passées? Elles ont creusé des trous dans la boue pour se protéger de l'hiver. Un peu partout dans Sunny Patch, tout le monde se prépare. Mais Ted et Ned ont été catégoriques, il ne fera pas froid avant longtemps. Hein? Oh, regardez, des oies. Et d'après toi, où est-ce qu'elles vont ces oies? À la fête de l'été qui n'en finit pas d'en finir chez Ned et Ted. Non. Elles vont au sud. Là où c'est vraiment l'été toute l'année. Et tous ces signes sont la preuve que l'hiver va arriver. Exactement, mon chéri. Oh là là, elles sont grosses. Encore une autre preuve d'un hiver rigoureux. Plus la température baisse, plus on en récolte. Et là, il y en a des tonnes. Beaucoup plus que l'année dernière. L'intuition de Ted et Ned n'est peut-être pas aussi sûre que ça. Ouh, le vent est de plus en plus glacé. Le mieux, c'est de finir le travail et de remplir la vieille souche. On ne sait jamais. Si on ne sait jamais, il vaut mieux prendre ses précautions. C'est la fête, les amis! Tout le monde danse! Oui! On s'éclate! On danse! On se danse! Jusqu'au petit matin! Maintenant, voyons si tu as de la souplesse! Oh oui! C'est bien! Écoutez-moi tous! Il faut tout de suite continuer la récolte des graines! Totalement inutile! Fie-toi à ton intuition! J'ai vu les signes! Toute la nature se prépare pour les grands froids! Et nous, on est là à s'amuser! Allez, allez! Détends-toi! Danse! Il a raison! Va danser! Et profite de la fête! Ce n'est pas tous les ans que l'été n'en finit pas! Pas d'en finir! Oui! Oh! Maman, personne ne veut m'écouter! Il ne pense qu'à faire la fête! Ce n'est pas grave, chérie. On va terminer notre travail. Cette fois, ça devrait suffire. Il peut y avoir toutes les tempêtes du monde. Nous sommes prêts. Maintenant que le travail est terminé, allons à la fête. Prévu, les voilà, les premiers froids. Quelle horreur! Nous n'avons pas stocké toutes nos graines. Non, on peut toujours récupérer celles qu'on a apportées à la fête. Très bonne idée. Oh, elles ont disparu. Où sont-elles? On s'excuse? Oui, on regrette. Mais elles étaient tellement appétissantes qu'on a craqué. L'hiver est arrivé et vous nous dites que vous avez mangé toutes les graines. Le froid est déjà là. C'est le moment de rentrer à la maison. Salut. Mais qu'est-ce qu'on va devenir si on n'a rien à manger pendant l'hiver? C'est catastrophique. Mais non, ce n'est pas si grave. La vieille souche est remplie. Pendant que tout le monde s'amusait comme des petits fous, on a travaillé pour vous, mes amis. Je meurs de froid. Moi j'ai faim et j'ai le bout de mes pattes gelé. Avant demain matin, nous serons des fourmis glacées. Joli, surtout vu de l'intérieur. Il fait chaud ici, on est les plus heureux de Sunny Patch. Tu veux que je te dise, Ted? Oui, Ned. Je trouve que cette année, l'hiver s'annonce particulièrement bien. Ton intuition ne t'a pas trompé. Tu as raison de me le rappeler. Cuit à point. Spiders are spinning away.
strings and floaty things. Amour, il est temps de faire un gros dodo. S'il te plaît, maman, est-ce que tu veux bien nous lire une histoire? Oh oui, une histoire? Qui sait bien la raconter, maman? Une histoire, une histoire. Oui, s'il te plaît. Allez, allez, une histoire. Bon, d'accord, mais une seule. Oui. Merci. Dites-moi, quel genre d'histoire vous ferait plaisir? Une où il y a des rois avec des chevaux tout habillés. Non, c'est mieux quand il y a des dragons cracheurs de flammes et des monstres. Des pirates, je veux des pirates. Oh, les pirates et les monstres, ça fait faire des cauchemars. À mon avis, les enfants, Zigzag a tout à fait raison. Moi, je sais, il nous faudrait une histoire de fleurs. De fleurs? Bon. Raconte-nous l'histoire de la rose du lac et des chevaliers et du champignon doré. Oh oui, les chevaliers et les champignons, c'est presque aussi amusant que les dragons. Moi aussi, j'aime bien. Bon, mettez-vous sous votre couette et écoutez-moi. Il était une fois un roi qui régnait dans un pays lointain, et il y a de cela très longtemps. Oh, le roi, c'est moi. Et être roi n'est pas une sinécure, je vous le dis. Faites venir de ce pas mon bouffon royal. Au service de votre majesté 24 heures sur 24, quelle pitrerie amuserait mon roi? Et là, je l'ignore, car même les promenades dans mon parc royal ne m'amusent plus. Qu'est-ce à dire, sire? Ne me dites pas que vous n'aimez plus vos bégonias et vos tulipes. Leur vue m'indiffère. Êtes-vous allé voir vos jacinthes et vos lilas? Rien qu'à leur vue, je tombe de sommeil. Et vos jonquilles et vos parterres de myosotis et toutes vos belles marguerites? Monotone, soporifique, désespérant à souhait. Peut-être devriez-vous ajouter d'autres plantes qui vous émerveillent. J'ai entendu parler d'une fleur très rare, la dernière de son espèce. Elle se cache quelque part dans la prairie au-delà des marécages. Hein? La dernière de son espèce? On dit que c'est la plus belle fleur au monde. Son parfum unique et délicat enivre tous ceux qui s'en approchent. Je crois qu'elle s'appelle la rose du lac. C'est ma foi un joli nom. Va me la chercher. Pars sur le champ et trouve-moi cette merveille. Sire, je n'ai pas le flair d'un chasseur de fleurs royales. Je risquerais de me méprendre. Je serais plutôt du genre amuseur public, bouffon du roi. Il suffit de regarder mon chapeau. Il suffit. Rassemble mes chevaliers du champignon doré. Salut à vous,
royale, Majesté, vous avez besoin des chevaliers du champignon doré? Oui, j'ai une mission délicate. Vous allez partir en quête d'un trésor exceptionnel. Hourra! Et vous ne serez pas déçus, croyez-moi, vous allez affronter toutes sortes d'embûches. Génial, nous on aime les embûches, on est des as! Chevalier, les embûches c'est comme le danger, on y risque sa vie. C'est vrai? Quand je disais qu'on était des âges, j'exagérais. Rassure-toi, mon petit pupus. Nous sommes les chevaliers du champignon doré. Nous sommes prêts, sire. Alors, je vous ordonne de vous rendre sur le champ, la prairie, au-delà des marécages, et de m'apporter ce spécimen de rose au parfum enivrant. Oh. Et qu'est-ce qui se passe après? Nos courageux chevaliers se lancèrent dans cette aventure périlleuse au-delà des monts, des grottes et des sous-bois, ne s'arrêtant que rarement, histoire de reprendre leur souffle, jusqu'à ce qu'ils arrivent au grand canyon qui abritait le lac. Je ne peux aller plus loin. Ces falaises sont impraticables et elles s'effritent et elles s'effritent. Même si je le voulais, je ne pourrais jamais sauter de l'autre côté. Demi-tour, on rentre au royaume. Chevalier! Nous, chevaliers volants, pouvons réussir. Mais vous, chevaliers d'infanterie, vous êtes trop lourds, vous n'y arriverez jamais. Il doit bien exister un moyen pour qu'on passe tous ensemble. Oh. Regardez un monstre rampant. Se cacher, se cacher. Mais où est Frimousse? Salut, quoi de nouveau chez les monstres rampants? Salut. Qu'est-ce qui lui prend? Elle est devenue folle. Elle a envie de se faire manger. Allez, langue fourchue, tu ne pourras pas m'attraper. Cesse de gesticuler, tu m'agaces à la fin. Nananananère. Alors, qu'est-ce que tu attends? Je suis pourtant petite à côté de toi. Votre pont vient d'être installé. Monsieur le monstre rampant! C'est très gentil à vous! Rien, Pupi! Tu es un gentil saucisson! Rentre chez toi! Sale gamine! T'étais vraiment incroyable! Oh, vive Frimousse! La téméraire! Et ils poursuivirent leur voyage, cherchant jour et nuit la prairie au-delà du marécage, où cette rose si exceptionnelle avait choisi de fleurir. Oh, même les grenouilles ne croissent pas. Ça fait peur quand il n'y a pas de bruit. Attaque! Oh non, pas des pirates! Rendez-vous et vous aurez la vie sauve. Préparez-vous à l'abordage. Vite, demi-tour. Oh, trop de courant, on n'y arrivera pas. On dérive droit sur eux. Je sais, j'ai une idée. Laquelle? Boulette canon. Attention, prêt. Prêt à bombarder. Un bon pour les chevaliers du champignon doré. Après de palpitantes aventures, nos braves chevaliers atteignirent enfin la prairie au-delà des marécages. Et là, ils découvrirent la légendaire rose du lac. Oh, quelle jolie rose, comme elle est belle. Oh, je n'aurais jamais cru qu'une fleur puisse être aussi jolie. Oui, on l'accueille et on s'en va. Elle est trop belle, je peux pas le faire. Oui, en plus, dès qu'on l'aura accueillie, elle va se faner et devenir laide. Laide? Oui, très laide. Mais on ne peut pas désobéir à notre roi. Qu'est-ce qu'on va faire? On a promis de lui apporter sa fleur rare. Et c'est ce que nous allons faire. Majesté, fini la déprime. Les chevaliers du champignon doré sont revenus. Mais je ne pensais pas qu'ils finiraient leur quête si vite. Gloire à vous, sire. Mes compagnons et moi-même avons vécu une grande aventure. Oui, oui, mais où est la... Nous avons affronté et vaincu l'horrible monstre rampant. Oh, comme c'est brave, mais... Nous avons vaincu les pirates du marécage aux moustiques. Bel acte de bravo, mais au-delà de vos exploits, j'aimerais bien savoir ensuite, où est... Ensuite, nous avons continué notre quête en traversant les précipices. Ça suffit. La rose, mon royaume pour une rose. Mais tout de suite, sire, la voici, la plus belle fleur du monde.
Oh. Oh. Qu'est-ce donc cela? Qu'avez-vous fait de ma précieuse rose? C'est vous qui nous avez dit de l'accueillir et de l'apporter. Une fleur coupée se fane rapidement. Horreur! En vous ordonnant de ramener cette fleur, je l'ai détruite. Oh, ironie du sort, pourquoi t'as battu sur moi? Par mon geste inconséquent, je viens de priver le monde de la dernière rose du lac. Que se passe-t-il? Je me suis endormie. Ne soyez pas triste, votre majesté. Elle n'est pas morte, votre précieuse rose du lac. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et quelle est cette fleur? C'est une fleur sauvage qu'on a trouvée en revenant. Sur place, on s'est dit qu'en cueillant la rose, on allait la tuer. On a décidé de laisser la rose du lac là où elle était, épanouie et heureuse. Si vous voulez la voir, votre majesté, et sentir son parfum unique, on sait où elle est, on vous y conduira. Eh bien, soit, demoiselle Frimousse. Oh, je n'ai jamais vu pareille beauté jusqu'à aujourd'hui. Je déclare solennellement que les roses du lac doivent se multiplier afin d'embellir et d'embaumer les jardins de mes sujets. Nul ne sera autorisé à cueillir, couper ou arracher cette fleur sous quelque motif que ce soit, sans mon autorisation préalable. Et c'est ainsi que le royaume connut une ère de gaieté et de prospérité. La rose fut cultivée par le peuple entier et son parfum enivra le royaume. Et tous vécurent heureux, comme c'est joli. Pour vous les savoir, pour traverser les gorges du canyon, les chevaliers auraient pu faire comme ça. Décollage! Oh non! Ah, Speedo! Rien de cassé! Regardez! Incroyable! On dirait la rose du lac! C'est elle! Qu'est-ce qu'elle est jolie! Si on l'accueillait pour l'offrir à maman! Bonne idée! Quoi? C'est ce que les chevaliers ont fait dans l'histoire! Arrête! Tu as déjà oublié que si on cueille une fleur, elle se fane? Elle a raison, si tu l'accueilles, elle meurt. Je connais quelqu'un qui n'a pas compris ça. Oh. Que comptes-tu faire avec cette rose, Pidérus? Depuis ma toile d'araignée, j'ai aperçu cette fleur de toute beauté et je me suis dit que j'allais l'accueillir pour l'offrir à ma charmante épouse. Mais voyons, si tu fais ça, la rose va mourir. Ça n'arrivera pas en une minute. En attendant, je profiterai de son merveilleux parfum qui embaumera notre maison. Ça ne se passe pas du tout comme ça dans l'histoire. Hein? J'ai une idée de cadeau bien mieux que ça pour Spindella. Ah oui? Oh, c'est la fleur la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. Merci de m'avoir amenée ici, Spiderus. Sa beauté et le parfum qui s'en dégage est en soi un magnifique présent. Oh, ton cadeau, ce n'est pas ça. Tu as intérêt à ce que ça marche, petite coquine. Pas de souci. Oh, un paquet? Un paquet rempli de graines. De la rose. Plus tard, on pourra les planter à Sunny Patch. Oh, chérie, je te reconnais bien là. C'est une idée si originale. C'est tout moi. Génie et bon sens. Non. Super plan, félicitations. Comment t'as eu cette idée? Je me suis simplement posé la bonne question. Qu'est-ce qu'un chevalier du champignon doré ferait à ma place? Vite, j'ai gagné le paquet! Une petite brise d'été pour voltiger, pour jouer à cache-cache.
sa nuage et se retrouver dans leur foyer, dans la douceur de leur bonheur. Les insectes aussi sont nos amis. Dites-moi, mes jolies, que nous vaut cette excitation? Devine, devine, tu devineras jamais! Attendez, je vais essayer de trouver. Est-ce que c'est... l'anniversaire de Lucille! Tricheuse, tu l'as pas laissé deviner! Joyeux anniversaire, ma chérie! Elle va organiser une grande fête! Bien sûr qu'il y aura une fête! C'est la moindre des choses de faire une fête d'anniversaire! Et Pensée et moi, on est invités! On va jouer à des jeux et porter des chapeaux rigolos et manger un gâteau fourré à la crème de myrtille. Wow, j'adore les gâteaux fourrés à la crème de myrtille. Joyeux anniversaire, Lucille. Salut, Spido. Tu veux venir à ma fête d'anniversaire? Oui, avec plaisir. Je suis fan des fêtes d'anniversaire. Ah oui? Pour de vrai? C'est cet après-midi, juste après le déjeuner. Tu n'oublieras pas, hein? Je viendrai, je te le promets. Allez, on y va! On va t'aider pour la décoration, ça va être cool! Chouette, allons-y vite! À plus tard! C'est vraiment gentil de ta part, Spidou. Ça lui fait plaisir que tu viennes. Lucille t'aime beaucoup, tu sais. En plus, ça ne me dérange pas. Je n'avais